Bimbo a écrit le livre « Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali », sorti en 2003. Dans cet ouvrage, l'auteur nie et dénonce la version officielle, voulant que 800 000 Tutsis aient été victimes d'un génocide perpétré par la majorité Hutu en 1994. Il y a 3 ans, Robin Philpot avait encore écrit qu'il rejetait catégoriquement l'utilisation abusive du terme « génocide ». Il est avec nous en studio. Robin Philpot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça ressorte, ce livre, en campagne électorale? Comme c'est un dossier chaud, ça ne m'a pas surpris. Par contre, tout ce qui est dans la presse aujourd'hui, c'est des vieilles affaires. C'est un débat que j'ai mené avec les journalistes et l'anthropologue dans les pages de la presse et dans les pages du Devoir à 2 ou 3 reprises depuis 2003. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce texte-là. Le titre est carrément mensonger. Et je le dis et je le répète, le génocide rwandais est parmi les plus graves tragédies du 20e siècle. Je le répète, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Parce que Vous reconnaissez qu'il y a eu génocide? Oui, et quand je dis je rejette l'utilisation abusive de ce mot-là, c'est parce que quand c'est utilisé pour cacher ce qui s'est passé avant, donc de 90 à 94, donc une guerre, des réfugiés internes d'un 1,5 million, l'attentat contre 2 chefs d'État africains, donc tuer 2 chefs d'État africains, ça a commencé avant, et après, il y a eu une guerre où il y a eu 4 millions de morts au Congo. Alors, on ne peut pas isoler les événements d'avril à juillet 94 et oublier le reste. Et c'est ça l'objectif de mon livre. Ça a été toutes mes recherches depuis assez longtemps, d'ailleurs. Mais le journal Libération, en France, vous a quand même accusé de négationnisme, si ce n'est pas rien. Bien, des accusations, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai jamais nié ça. Si vous lisez la 4e de couverture de mon livre, publié aux Intouchables, et en France, publié par Dubois-Risse, c'est le génocide, je pense que le 4e ou 5e mot. Alors, je le dis, je le répète, c'est une tragédie grave, parmi les plus graves, et c'est pour ça qu'on écrit des livres comme ça, parce que on le doit à nos compatriotes d'origine africaine, et on doit à l'Afrique un continent qui est incompris. Alors, on le ferait de ce genre de recherche pour des affaires qui se passeraient ici en Amérique ou en Europe, et on le doit en Afrique, à l'Afrique. N'empêche que vous avez probablement entendu la réaction d'André Boisclair, votre chef. Il est visiblement mal à l'aise par cette situation. Moi, en lisant le titre de la presse, si j'étais lui, j'aurais été mal à l'aise. Mais le titre est mensonger. C'est un mensonge de dire que je nie le génocide rwandais. Mais quand on écrit un livre de 200 pages, et j'ai écrit beaucoup d'autres articles depuis ce temps-là sur cette chose-là, j'ai fait des conférences un peu partout, j'ai été invité à la Sorbonne, j'ai partagé la tribune avec des grands chercheurs sur le Rwanda qui partagent mon analyse. Je rappelle que c'est parmi les plus grandes tragédies. Alors, M. Boisclair, on s'est parlé. Il a compris que le titre de l'article était mensonger. Donc, vous lui avez parlé ce matin? Puis tout est réglé? Ben oui, oui. Absolument. Il vous a pas demandé votre démission? Absolument pas. Comme candidat? Je n'ai aucune intention de démissionner. Moi, je vais gagner cette campagne électorale. On est dans une campagne électorale avec des enjeux importants dans mon comté Saint-Henri-Sainte-Anne, pour le Québec, pour l'avenir du Québec, et c'est là-dessus que je travaille. Et vous ne craignez pas que ça vous nuise? Moi, je ne pense pas que ça va me nuire parce que tout a été écrit déjà. Le livre a été très bien reçu par des Africains du Québec, par les Congolais qui sont touchés par ça, parce que 2 ou 3 chapitres portent sur la guerre au Congo aussi. Alors, c'est un effort de comprendre ce qui s'est passé et vraiment chercher la vérité avant, durant et après cette période-là. Merci beaucoup, M. Philpot. Merci.